Alors ce soir, le QSO, je vais le faire en plein air. Il fait beau en plus. On se croit en plein été là ici, voilà. Mon petit groupe, que j'ai mis une bonne distance là de la voiture. Voilà, là il est en mode économique, hein. Là il tourne vraiment pas fort là. Et comme j'ai la remorque qui est pleine de saloperies, et ben ce soir ce sera avec l'antenne du push. Bonjour Daniel. Ah, j'ai entendu monde déjà en fréquence. Alors que... Je crois que c'est Jean-Paul qui vient d'arriver là. Non, je crois que c'est Jean-Paul. Ok, bonjour Daniel, les amitiés 73 de Jean-Paul Saint-Emilion. Ah, on est en avance, hein. On est en avance. Non, mais j'étais à l'écoute, hein. Je suis en train de bricoler sur l'ordinateur. J'étais à l'écoute, hein. Je suis à l'écoute, mais je ne parle pas trop ce soir. Donc, c'était juste pour te saluer un petit peu. J'ai une alimentation qui est déposée par terre au-dessus. Mais je reste un petit peu coincé sur mon ordinateur parce que j'arrive pas à comprendre certaines choses. Donc voilà, eh bien, on va attendre encore un peu, là, 5 minutes, histoire de laisser le temps à d'autres stations d'arriver. Voilà, 73-51 à vous, de la part de Dandy 33, 14 ODR 002, et à de suite. 73-51, les stations. De 14 h 07, température du sud-ouest de France, là. 73 à Rémy, après, je sais pas, j'ai pas entendu les autres stations. Voilà, je fais une petite apparition, là, vite fait, depuis mon trou, en sachant que je vais pas rester longtemps, parce que, voilà, je suis obligé de bosser, quoi. Voilà. Donc, c'était pour vous faire à tous un bon 73-51, et vous souhaiter un bon QSO. Oui, voilà, voilà. Là, tu m'as bien eu, là. Tu m'as bien eu, chameau. Alors, les 73-51 à tous, de la part de 14 ODR 002, Dandy 33 en mobile, actuellement sur la colline de Saint-Magne-de-Castillon, département 33. Voilà, donc, comme d'habitude, cette première demi-heure, je fais une petite vidéo. Voilà, là je suis branché là directement là sur le groupe. Retour chameau. Ok, monsieur Raymond, écoute, tu vois presque un bout de montagne alors, si je comprends bien, c'est ça? Ah là, si je prends les jumelles, ouais, je devrais l'avoir. Ouais, je pense bien, voilà. Donc ben là, je vais rester quoi, 5-10 minutes, et puis après, je vais pas me retarder plus longtemps. Voilà quoi, mais il y a du monde derrière encore? Alors, avant que j'arrive, il y avait Fabrice, voilà, là il est parti lancer sa web radio. Il y a Jean-Paul aussi là qui est derrière, voilà, là qui est en train de se battre avec son ordinateur, les 73 Jean-Paul. J'ai entendu une autre station là très lointain, dans le lointain là derrière, mais là ici sur le QTH, là j'ai un petit problème de parasite. Alors je sais pas, il faudra que je vois. Est-ce que c'est le groupe qui m'envoie là des parasites? J'en ai aucune idée car cet après-midi j'ai fait un test, tout était ok quoi. Salut les invités à tous, 14 Victor et 7, l'opérateur Eric Satine, bonsoir. Les 73 Eric, voilà, je suis ce soir en mobile, sans internet, juste avec la station, voilà, là, branché là, sur mon nouveau groupe électrogène, grimpé sur la colline de Saint-Magne-de-Castillon, à côté de Castillon-la-Bataille. Autrement dit, je suis au-dessus de la tête à Chameau, qui lui est au pro, pas très très loin de là où je suis là. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Il faudrait que tu te mettes là tous les jours, hein, tu verras, parce que là,
Ok, de retour des 73, Fabrice. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, cette première demi-heure, une petite vidéo, voilà, comme d'habitude. Et là, ce soir, je suis en mobile. Eric, tu me dis que là, ça passe super bien, mais là, je suis qu'avec l'antenne du mobile. J'ai pas eu le temps de vider la remorque est pleine de végétaux, là, pour monter l'antenne pour expédition. Donc là, je suis la configuration mobile, avec la station pour expédition de brancher sur le groupe électrogène qui est quelques mètres là derrière la voiture. Oui, enregistré, ouais, copié, pas de soucis, ouais, c'est les 58, 59, bon, ouais, voilà. Il y avait un petit bruit quand même, ouais. Attends deux secondes. Ok, Florian, 73, 58, hein, y'a pas de soucis, les invités à toi. Je vais retourner le micro, y'a Yannick qui s'est manifesté, vas-y Yannick. Bon, apparemment, il avait déjà parti, voilà, voilà. Ben, pas de soucis, voilà, on va retourner avec lui, hein. Ok, ben, je crois que la Fabrice, là, qui est revenu, attends, je suis en train de me battre avec la caméra. Voilà, je l'ai coincé dans le volant, comme ça, bon, ben, c'est pas méchant, voilà, ça y est. Oh, je vais y arriver. Ok, voilà. Ok, ouais, je crois qu'il y a Fabrice là qui est arrivé là parmi nous. En avant, Fabrice. Ouais, il y a quelqu'un qui parle derrière. Excusez-moi, je m'en vais 73 Yannick, Kamanaka. Ouais, vas-y Daniel, vas-y, parle. Ok, bonne soirée, Maya. Les 73, la station, deux petites secondes s'il te plaît, on vous reprend après. Ok, les 73 Daniel, il y a une autre station aussi qui a parlé, là, qui est dit ok bye. Pouvez-vous revenir s'il vous plaît, les 73-51 à vous, de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, en station mobile sur la colline de Saint-Magne-de-Castillon, voilà, pour le QSO national du canal 27, QRZ local d'Indy 33, opérateur Rémi. Ok, d'accord. Eh bien, moi, pour le QTH QRA, ben, c'est Sainte-Colombe. Voilà, ce soir, là, je suis en train de tester mon nouveau là, groupe électrogène là, pour les expéditions. Voilà, donc je me suis dit, tiens, voilà, puisqu'il y a, là, il y a une belle butte là à côté de chez moi, là, juste là, à côté de Saint-Magne-de-Castillon. Donc voilà, là je suis en moitié configuration mobile, moitié configuration expédition. J'ai juste pas emmené mon antenne pour expédition parce que là j'ai pas eu le temps de vider la remorque. Alors oui, tous les vendredis soirs et samedis soirs, à partir de 21h, chaque département s'organise à lancer son propre QSO là sur le canal 27. Pourquoi le canal 27? Eh bien, en souvenir justement que c'était autrefois un canal d'appel. Voilà, bon, qui n'est plus utilisé maintenant, quoi. Donc, ça marche bien. L'initiative est partie d'une station Pascal qui... Non, Patrick. Patrick, lui, se trouve sur la Camargue.
Donc le cubisson est très actif là-bas, là sur la Méditerranée, et se répand. Ça fait déjà, oh, je sais plus qu'on l'a lancé ça. Enfin bon, chaque région voilà se débrouille à faire son petit QSO, et quand on arrive à faire à agrandir comme ça le rayon d'action là entre plusieurs départements, ben c'est encore plus sympa quoi. Voilà, retour de micro. Ok, d'accord, merci, les bonnes sont très à vous. Retour Fabrice, si tu arrives à entendre Eric qui est sur le QTH de Cabanac. En même temps au téléphone à Florian. Ok, je reprends. Ok, ben il n'y a pas de problème. Ben, ok, Florian. Attends, parce que c'est pas ça le déconneur. Il n'y a pas de problème. 73 à toi, merci. Et puis je reconnaissais. Bon pro. Ouais, je te dis à plus. Je suis en train de faire une vidéo en même temps. Hein. Ok, voilà, voilà, je viens de dire au revoir, je vais en même temps Florent, là, au 600, car Florent, il est au pro actuellement. Voilà, donc il vient de passer QRT, là, il peut pas rester plus longtemps. Je l'entends à peine, et le problème vient certainement de mon côté, là, j'ai un parasite, là, sur le QTH, là, qui me fait monter le Santiago à 3. Donc là, je sais pas qui a parlé, mais je l'ai deviné derrière, mais c'est tout, pas plus. C'est pas Daniel, quelque chose comme ça, non? J'ai pas entendu. Monsieur Tadigrique, il m'a parlé en même temps, j'ai pas entendu. On va éviter de parler de QRM, hein, chie. tout à l'heure, tu as pas dit quelque chose comme Daniel, non? C'est pas ça? Ouais, je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est Daniel. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça, ouais.
Ok, d'accord. Du côté de d'Eric, il n'y a pas, j'ai pas entendu un prénom du genre Florian ou quelque chose comme ça. Retour de micro, Eric. Je suis désolé, mais là je peux rien faire de plus. Tous les filtres sont enclenchés. Ouais, j'ai un problème de parasite de mon côté là qui monte à 3-4, hein, ce qui fait que du coup j'arrive pas à l'entendre correctement là. Je le devine derrière, mais c'est tout sans plus. Ouais, ben moi c'est pareil. J'ai entendu le Roger Bip, donc il a relâché le micro. Ben Florian, je suis désolé, mais là j'arrive vraiment pas à te sortir. J'aurais pas ce problème de QRM là sur le QTH. Alors, est-ce que c'est le groupe qui me provoque ces QRM, je sais pas. Ou alors, est-ce que c'est le secteur qui fait ça, j'en ai aucune idée. Habituellement, quand je viens ici, j'ai aucun problème de QRM, ça va très bien. Mais bon, là, ce soir, ça, eh bien, c'est un autre soir. Hein. Ok, bon, apparemment non. Attends, je relâche. Ok, bon, voyons si on va avoir la surprise du jour. Attention, 9 bravo Charlie 555, 9 bravo Charlie 555, Gilles. Est-ce que des fois il y aurait un petit coup de propag que tu nous entendrais là derrière? Puisque, vu cet après-midi, il est fort possible qu'il tente le coup là en ce moment. Votre QRM de mon côté pour entendre quoi que ce soit, Eric. Je sais pas si tu l'as entendu ou pas. Eh bien, écoute, moi, Gilles, j'ai eu cet après-midi, oui, il n'y a pas de souci, mais là, pour le moment, de mon côté, c'est négatif, voilà. Peut-être que ça va durer un petit moment, voilà. Donc, parce que 21h, il doit être 3h chez eux, pour 15h, quoi. Ouais, ouais, ben cet après-midi là, quand j'ai fait mon premier essai là, avec le groupe électrogène, là je suis en marche économique, hein, donc le moteur là il tourne à bas régime.
Toi, ça fonctionne très bien, quoi. Donc, quand j'ai fait des tests cet après-midi, j'ai justement la chance de l'avoir en fréquence. Là, c'était nickel. Je lui ai expliqué ce que j'étais en train de faire et tout. Je lui ai dit que là, ce soir, justement, là, on allait comme à chaque fois, vendredi soir, samedi soir, lancer le QSO. Donc, il avait l'air d'être intéressé. Mais maintenant, bon, ben, si la propague est pas là, et puis son emploi du temps, je connais pas non plus, quoi. Chi. Mais déjà, avant tout, si la propague est pas là, et ben, c'est pas grave. c'est toujours bien de tenter, quoi. Ok, je me suis recalé un petit peu en fréquence parce que je sais pas. J'avais envie de me décaler en fréquence ce soir. N'importe quoi. Hachi. Voilà. Alors, Eric, tu vois, tu me parlais là à plusieurs reprises de faire des expéditions et tout. Eh bien là, je suis fin prêt. Hachi. Maintenant, c'est le calendrier et la météo là qui va décider. Car là, avec la propague hiver là, qui est là, on va pouvoir faire des trucs là bien sympas. Il faut juste qu'on trouve des QTH un petit peu insolites, des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des trucs bien sympas, bien dégagés, où on est sûr du coup, quoi. Il n'y a pas de problème, tu veux qu'il y ait au courant, moi je suis partant, tu le sais, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que là, comme tu vois, je suis en train de tester justement le groupe. T'as dû voir la photo, j'imagine, sur Facebook, là, du groupe là que j'ai acheté. Je l'ai trouvé, là, à Iribéry, là, à côté de Brico-Dépôt. Voilà. Et, ben là, c'est... Je suis heureux. Ah, merci, Mathis, j'ai vu que t'avais bien sacré coup dans la carte bleue, ouais, y a pas de problème. Si, voilà. Mais bon, allez, on va retourner le micro, fait tourner pour voir s'il y a d'autres personnes. Ok, d'accord. Alors, les stations fréquences qui veulent rentrer dans le QSO du canal 27, là, qui sont encore derrière la porte, allez-y, en avant. Non, c'est bien calme de mon côté, là, on dirait, je sais pas, enfin, calme, avec le QRM que j'ai, ça fait un peu foutage de gueule, mais bon, non, j'entends rien, là. Alors justement, on m'en a cité un. Alors c'est FCBA Florac. Alors putain, j'ai pourtant des lunettes, j'ai la flemme de les mettre. Voilà, la butte de Launay. Voilà, entre Pellegru et Sauveterre. À ce qui paraît, de ce côté-là, ça serait pas mal, quoi. Ouais, putain, mais là, toi, j'aurais dû prendre mon courage à deux mains, accrocher la remorque pour monter l'antenne pour expédition qui, elle, aurait été bien dégagée, parce que je commence à me demander si c'est pas justement le moteur du groupe, là, qui me crée ces parasites. Hein. C'est un petit peu que, allez, on va dire, casse-pompe. Voilà, ça dépend, il est loin, le groupe, ou il est à côté? Il doit être à...
6-7 mètres derrière le... Oh, oui. Ouais, environ 7 mètres derrière la voiture. Ah, il faudrait que je refasse tout le branchement. Et puis là, il faudrait que je dévie le branchement sur la voiture. De toute façon, tout à l'heure, là, quand on terminera le QSO, je basculerai vite fait là sur l'autre poste du push. Et donc là, j'aurai éteint le groupe à ce moment-là, je serai uniquement avec le poste du push, et là, je verrai bien ce que ça donne. Ben oui, mais c'est bien la première fois là, parce que pourtant cet endroit-là, j'ai déjà modulé ici, j'ai déjà fait les QSO avec Eric justement depuis cet endroit-là. Eh ben tiens Eric, la première fois que j'ai testé mon antenne là, pour expédition là dans la remorque, pour anecdote, ce jour-là, on avait eu un OM du Centrafrique, voilà, et on s'est retrouvés tous les trois là en fréquence. Oui, enregistrer le break. Ouais, mais Saint-Émilion, dans ce cas-là, il faudrait plus un plateau porte-vélo, un truc comme ça que j'accroche directement sur la boule pour monter l'antenne au cul de la voiture. Parce que là, la voiture, la remorque, plus mes longueurs de tube avec l'antenne de monter dans la remorque, si je m'installe du côté Saint-Émilion, je vais me faire tirer à vue, là. Hachi, il y a eu un break. Alors, avec la permission de l'ensemble du groupe, en avant le break avec les bandes 113 51 de la part de Dandy 33 en mobile sur le secteur de Saint-Magne-de-Castillon, pas très loin de Saint-Émilion. À cause de mon parasite, j'ai compris. Non, c'est pas moi qui parasite. J'ai compris Jean-Marie. Ça doit être ça. Les bus 113 Jean-Marie. J'espère qu'il y a d'autres stations qui ont pu te sortir mieux que moi. Hélas, je pourrais te sortir super bien, mais les conditions pour moi ce soir sont pas idéales. Et pourtant, j'ai tout fait pour que ça aille. Retour Eric, si tu arrives à mieux sortir Jean-Marie, si je me trompe pas sur ce que j'ai entendu. Ok, pour Jean-Marie, 73, voilà, je sais pas de quel côté se trouve Jean-Marie, voilà, tu vas me dire ça, Jean-Marie, et à ton micro. Attends, il est en train de parler. Ok, c'est... zut, Belphégor, c'est toi? Ok, Belphégor, les bosses sont très sacotées à toi, et bien, content de t'entendre. Hélas, j'ai un problème de QRM là sur mon côté. Est-ce que c'est local? Est-ce que ça vient de mon groupe? Je sais pas. Cet après-midi, quand j'ai fait DGC, j'étais sur l'antenne du QRA, donc tout était loin du groupe. Donc c'était le silence olympien côté QRM. Mais là, ce soir, toi, là, je me suis fait surprendre. Hein.
J'aurais dû accrocher la remorque et vite monter l'antenne dedans. Ça aurait été beaucoup mieux, là, j'aurais pu entendre tout le monde correctement. Alors oui Eric, c'est bien Jean-Marie là, qui est de Marmande, là qui est avec nous à QSO. Jean-Marie, peux-tu tourner un peu ton antenne directive vers Eric, car là ce soir il ne te sort pas du tout là. Touche à la fin. Les 23h51 à vous tous. Nous, on continue le QSO. Bye bye. Et okay, on continue.